Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, nous allons, j'espère que tu es disposé pour ce soir pour recevoir l'enseignement de notre papa, du révérend Dolski. J'espère que tu es prêt, que tu es bien installé royalement, que tu vas recevoir, que tu es présent pour recevoir tes bénédictions. J'espère que je vais te demander pardon de partager pour que ce direct ne soit pas coupé. Je vais te demander aussi de liker pour que nous n'ayons pas de problème. Et je vais te demander sur les acclamations d'accueillir notre papa, notre maître, notre révérend Dolski. On acclame. Shalom, j'espère que tout le monde est OK, tout le monde est prêt. Nous allons commencer à travailler. Amen. Ce mois de mars, c'est le mois où l'eau est notre allié. Le mois où l'eau va beaucoup intervenir pour nous, favorablement pour nous. Et j'ai demandé depuis, je crois, le premier jour, que nous travaillons en faisant des actions prophétiques sur l'eau ou à partir de l'eau. Alors aujourd'hui même, j'ai convoqué le peuple de Dieu et j'ai demandé au peuple de Dieu d'avoir un bol d'eau, hein, un bol d'eau devant soi. Ok, merci à l'un d'entre vous de faire un grand plan. Par exemple, sur cette eau, il faut éclairer. Ok, Dolski Junior. Ok, donc de faire un grand plan sur l'eau. Voilà, donc si tu as ton bol d'eau devant toi, nous allons pouvoir commencer. Nous allons pouvoir commencer, amen. Nous allons essayer une chose qui marche à tous les coups ce soir. Alléluia. Mettons-nous en disposition de prière. Prions le Seigneur, priez. Commençons à parler à Dieu. Confions ce moment à Dieu. Confions la prophétique qui sera menée. Prions, s'il vous plaît, prions. Priez le Seigneur. Merci Seigneur. Lord, je te rends toute la gloire. Je veux te bénir. Je te rends toute la gloire.
Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu as prié de ton côté. Nous sommes ici prêts. On était en train de positionner les choses. Plusieurs personnes ici sont venues avec leur eau en ce studio même pour que ces personnes-là puissent recevoir aussi les grâces. C'est juste une prière. Il est 22h en Côte d'Ivoire, 23h en France. Si tu es venu avec ton eau, tu as l'eau devant toi. Tu as l'eau devant toi. Et pendant que l'eau est devant toi, tu dois parler à l'eau. Mais fais en sorte que l'air, fais en sorte que le vent de ta bouche, amen, fais en sorte que le vent de ta bouche surfe sur l'eau quand tu seras en train de parler. Fais en sorte que ta bouche surfe sur l'eau pendant la prière. C'est important que ta bouche surfe sur l'eau. C'est très important. Quand tu parles, ok, amen, quand tu parles sur l'eau, tout à l'heure, vous devez parler à la surface de l'eau et vous allez utiliser cette eau. Tout à l'heure, juste après la prière, certains vont laver le visage avec l'eau. Vous allez laver le visage avec l'eau. D'autres vont laver le corps en fonction de la quantité. Certains vont laver le corps avec l'eau. Et vous allez parler à l'eau tout à l'heure. Mais, bien-aimés, nous allons préalablement réciter un psaume. Le psaume 23, le verset 6. Mais nous allons d'abord lire tout le psaume 23 en entier. Amen. Nous allons lire tout le psaume 23 en entier. Tout le psaume 23 en entier. Est-ce que vous pouvez déjà positionner vos Bibles? Le psaume 23 en entier. Est-ce que vous êtes prêts? Le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous connaissez bien ce psaume, c'est le son. Nous allons lire le psaume 23, le verset 1. Soyons tous connectés, vous êtes bénis ce soir, au nom de Jésus. Cantique de David. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? On va se montrer les choses ce soir. On va se montrer les choses ce soir. Nous allons lire jusqu'à ce que je vous dise d'arrêter. Nous allons lire pour que nos frères et sœurs qui sont en retard puissent venir nous prendre en cours de la préparation. Amen. Alors, nous y allons. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, on reprend. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme.
Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous allons reprendre une dernière fois. Nous laissons les autres s'installer chez eux à la maison, au salon. Certains sont en train de prendre de cours. Certains sont en train de prendre de cours. Donc nous allons donner encore 2 minutes pour que vos frères et sœurs partout dans le monde puissent s'installer. Amen. Nous donnons 2 minutes. Nous leur donnons 2 minutes. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons nous disposer, nous allons nous préparer, nous allons prêter attention à tout ce qui va se faire en ce lieu. Nous allons prêter attention à tout, je dis bien tout, ce qui va se faire en ce lieu. Soyez concentrés. J'espère que votre eau est disponible. J'espère que vous avez pris de l'eau pour mettre devant vous, peu importe la quantité. Mettez de l'eau, vous allez surfer votre voix sur cette eau. Bien-aimés, vous allez faire surfer votre voix sur cette eau et nous allons réciter pas mal de psaumes. Voilà pourquoi il faille que d'autres frères arrivent. Et pour ne pas que vos frères ratent ce moment, vous allez préalablement, vous allez cliquer « j'aime » et partager ou appeler votre frère pour l'informer que nous avons commencé. Tu vas te disposer, tu vas te disposer et tu vas permettre à ton âme et à ton esprit de se connecter. De surfer dans tout ce qu'on nous sommes en train de faire. Je veux que tu te connectes, s'il te plaît. Sois connecté avec moi ce soir. Sois en position ce soir. Amen. Amen. Éternel, je confie ce moment. Je te prie, Dieu Tout-Puissant. Je te prie, Adonai Père, que tu permettes à ce que tous ceux qui sont avec moi ne ratent pas ce moment, c'est la finale. Nous allons prier et nous allons consacrer cette eau. Nous allons demander à Dieu que cette eau ne soit plus de l'eau, mais que cette eau soit notre allié. Voilà pourquoi tu vas dire « Eau ». Sois mon allié en cette nuit et pour toujours. Donne amen 2 fois. Amen. 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 Nous allons reprendre le psaume 23 en entier et après nous allons nous concentrer sur des parties de ce psaume. Alléluia. Nous allons reprendre avec le psaume 23. J'espère que tout le monde est là. Je demande à ce que le maximum des personnes qui sont là habituellement, que le quota soit plus ou moins atteint. J'aimerais que nous soyons nombreux et que nous ne ratons pas ce moment. J'aimerais que le quota habituel puisse déjà être commencé. Il faut que nous soyons là. Il faut que nous puissions être tous là depuis la France, depuis les États-Unis, que nous soyons là. Je veux consacrer cette eau avec toi. Je vois, je sens mon esprit qu'il y a des personnes qui sont dans l'ascenseur, qui sont en train de courir pour aller à la maison, qui suivaient depuis le téléphone. Donc, je veux vraiment que vous montez pour qu'on puisse commencer. Je vous attends. Je dis que le Seigneur va faire grâce que le quota habituel vraiment soit. Que le quota vraiment habituel soit. Maradosun Turia Glazo Tuya.
Alors nous avons fait, et j'ai fait exprès la pause pour que tout le monde vienne, court. Tu vas cliquer j'aime sans t'arrêter. Tu vas cliquer continuellement j'aime sans t'arrêter. Est-ce que je peux avoir mon deuxième téléphone s'il vous plaît? Tu vas cliquer j'aime sans t'arrêter. Tu vas continuer le j'aime jusqu'à ce que, bien aimé, jusqu'à ce que les frères et sœurs arrivent. Jusqu'à ce que les frères et sœurs arrivent, bien aimé. My God, my God, my God. Nous commençons maintenant. Commençons maintenant. Commençons maintenant. Je crois que nous pouvons commencer. Est-ce que quelqu'un est là? Mets en commentaire, on va se montrer les choses. Mets en commentaire, on va se montrer les choses. Mets en commentaire, on va se montrer les choses. Bien-aimé, mets en commentaire, on va se montrer les choses. Larabado sunturigarada sete. Kerusa shikarama makinda. Mets en commentaire, on va se montrer les choses. Alors, nous allons commencer à nouveau. Bien-aimé, tu vas prendre le psaume 23 en entier. On va prendre le psaume 23 en entier et nous allons commencer à réciter. Bien-aimé, on commence encore. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Nous allons maintenant prendre le seul verset 6 et nous allons parler à l'eau. Mais la première phrase, laissez-moi vous donner la première phrase et après nous allons répéter. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est juste cette phrase-là. Du dernier verset. Amen. Nous allons le faire plusieurs fois sur cette eau. On y va. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. On va un rythme plus rapide. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce. Oh my God. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie.
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tu peux dire amen. Amen. Tu peux dire amen. Amen. Tu vas laisser ton eau de côté et tu vas m'écouter. Bien-aimés, nous sommes là et nous devons commencer à inviter. Je veux te dire que ton amen, c'est j'aime. Pendant que je suis en train de dire amen, même si tu regardes à la télé, prends ton téléphone et clique j'aime parce que nous allons rentrer dans les temps de proclamation. Et vous allez voir que les paroles là vont surfer sur l'eau. C'est pour cela que je dis laissez l'eau là, mettez l'eau bien de côté. Si tu sais que tu es sensible au Saint-Esprit, si tu sais que tu peux facilement buter du pied l'eau, quand tu seras en transe, bien-aimé, sécurise l'eau. Parce que nous allons revenir encore avec l'eau. Nous allons revenir avec l'eau. Nous allons revenir avec l'eau. Bien-aimé, je demande que vous sécurisez l'eau. Sécurisez l'eau parce que ça va chauffer. Le mercure va monter. Le mercure va monter. Le mercure va monter. Alléluia. Père, où qu'il soit, où qu'elle soit, quoi qu'elle fasse, qui que ce soit, Seigneur Jésus, la puissance de Dieu va affranchir la personne. Ta main puissante descend sur la personne. Éternel Dieu, les anges des eaux surfent maintenant sur l'eau qui est en face des chrétiens du monde entier qui sont en train d'exécuter ce rite. Éternel Dieu, maintenant les anges d'eau surfent sur ces eaux. Les anges de l'eau surfent sur ces eaux dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez votre eau. Pour certains chez eux, l'eau va commencer à diminuer de volume. Il y a des bulles. Vous allez voir des bulles dans vos eaux comme si c'était du champagne. Vous allez voir des bulles dans vos eaux comme si c'était du Sprite. Vous allez remarquer cela. L'eau va commencer à prendre une texture de champagne. L'eau va commencer à prendre une texture de champagne. Vous allez voir que l'eau chez des personnes va commencer à devenir rose. Bien-aimé, si tu es connecté à ce direct, rends témoignage. L'eau va commencer à prendre une allure. L'eau va commencer à prendre une allure. Dieu est en train d'agir. L'eau, je dis bien, l'eau devient ton allié. Répète maintenant, oh. Sois mon allié. Sois mon allié. En cette nuit profonde. En cette nuit profonde. Sois mon allié. Sois mon allié. Si quelqu'un. Si quelqu'un. Si quelqu'un. Si quelqu'un. Si une personne. Si une personne. Avait prononcé des paroles méchantes. Avait prononcé des paroles méchantes. Contre moi. Contre moi. En se tenant devant l'eau. En se tenant devant l'eau. Oh. Maintenant que tu es mon allié. Maintenant que tu es mon allié. Annule. 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 Annule ces paroles. Annule toute parole incantatoire. Annule toute parole incantatoire. Prononcée contre ma vie. Prononcée contre ma vie. Dans mon passé. Dans mon passé, comme dans mon présent, comme dans mon présent, dans mon futur, mon futur, dans mon futur, dans mon futur, annule, annule toute mauvaise parole toute mauvaise que quiconque prononcera, devant toi. Oh, sois mon allié. Oh, sois mon allié. Sois mon allié. Sois mon allié. Sois mon allié. Ne laisse plus personne. Ne laisse plus personne. Médite contre moi. Oh. Je t'active. Je t'active. En tant qu'ange dans ma vie. Oh. Deviens maintenant. Deviens maintenant. L'un de mes anges gardiens. L'un de mes anges gardiens. Oh.
Tu es belle. Tu es belle. Et tu es puissante. Tu es puissante. Toute puissante. Toute puissante. Oh. Ange des eaux. Ange des eaux. Je fais de toi. Je fais de toi. Mon allié. Mon allié. Je fais de toi. Je fais de toi. Mon allié. Mon allié. Je fais de toi. Je fais de toi. Mon allié. Mon allié. Je fais de toi. Mon allié, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alors, tu vas t'asseoir royalement. Je prends la parole de Dieu. Je veux te parler en quelques minutes. Alléluia. Tu vas aller dans le livre d'Apocalypse 20 à partir du verset 11. Nous allons voir quelque chose très rapidement. Bien-aimé, laisse ton eau là pour que les entités angéliques surfent sur tes eaux. Alors nous prenons maintenant la parole de Dieu et nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es bien positionné? Tu vas entendre vrai évangile ce soir. Quelqu'un a commencé à dire vrai évangile. Donc nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Vous savez, le livre d'Apocalypse est très riche. J'aime beaucoup le livre d'Apocalypse pour ses secrets et ses mystères. Dommage que plusieurs personnes n'ont pas encore saisi la portée de ce livre. Personnes n'ont pas encore dit la de ce livre. Et aujourd'hui, nous allons voir des secrets et des mystères de l'eau dans le livre d'Apocalypse. Amen. Alors, nous allons commencer à lire. Est-ce que quelqu'un chez lui voit? Nous allons commencer à lire. Amen. Puis je vis un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Avant de terminer, je vais parler à un chrétien. Vous voyez, la Bible dit la terre s'enfuit. Donc, quand on parle de la fuite, on parle de la course. Ça se voit déjà que la terre n'est pas un élément géologique comme l'homme le pense. Si la terre est capable de fuir, c'est que la terre est une entité comme un être qui peut adorer Dieu. Une entité comme un être qui peut se prosterner, qui peut parler. Et je suis en train de vous dire que la terre n'est pas simple. Cette terre-là, rappelez-vous que Dieu s'est adressé à elle pour dire « Produis les animaux de la terre ». Dieu lui parle comme on parle à un enfant. Donc, je viens te dire que ne néglige pas la terre. Maintenant, on continue. La Bible dit que la terre s'enfuit et le ciel s'enfuit devant la face de Dieu. Ils n'étaient plus devant Dieu parce qu'ils fuyaient là, ce jour-là, ce jour grand. Il dit au verset 12, « Et je vis les morts, les grands et les petits. » Waouh, Jésus, ce jour, hey, my God, ça va chauffer. Qui se tenaient devant le trône, c'est-à-dire grand et petit. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Écoutez bien. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Écoutez bien. La Bible dit, et les morts furent jugés. My God. L'antarababasu tukuria. Et les morts furent comment? Jugés. Merci Seigneur. Bien-aimé, je veux que tu prennes tes dispositions. Regardez cette eau. Regardez cette eau. Combien elle est précieuse. Regardez cette eau. Combien elle est si naturelle. Mais tout à l'heure, dans le verset biblique, vous allez voir quelque chose qui va vous choquer. Vous allez voir une chose qui va vous choquer. Bien-aimé, je veux parler à une personne qui m'écoute. Je vais te donner une révélation. Je veux que tu donnes un amen en cliquant j'aime. Je veux que tu donnes un amen en cliquant j'aime. Je veux que tu donnes un amen en cliquant j'aime. Je veux que tu donnes un amen. Regardez les textes bibliques qui s'affichent. Le texte biblique qui s'affiche. Et je veux que vous lisez. Alléluia.
Nous allons continuer la lecture. Nous allons continuer la lecture. Nous allons continuer la lecture. On y va. La Bible dit, les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans ces livres. Maintenant, écoutez le verset 13. Vous savez, à chaque fois que vous verrez la numérologie 13 dans un texte biblique, c'est un texte, prêtez attention. La Bible dit, la mer rendit les morts qui étaient en elle. Dans d'autres versions, on dit, la mer rendit ses morts. Donc, ça veut dire que la mer détient jusqu'au jour d'aujourd'hui des personnes emprisonnées. Il y a des gens qui marchent. Vous voyez ces personnes? Il y a des gens qui marchent dans les rues que vous voyez. Il y a des personnes que vous voyez marcher dans les rues. Ces personnes-là, bien-aimées, sont déjà mortes. Parce que leur vie n'avance pas, leur vie ne recule pas, leur vie n'avance pas, leur vie ne recule pas, elles sont mortes. Il y a des gens, c'est parce qu'elles ne peuvent pas se suicider, c'est un péché. Sinon, elles marchent comme ça, mais la mer les a déjà tuées. Et c'est quoi la mer a tué quelqu'un? C'est la personne qui a été emprisonnée dans un cadenas par le vaudou. L'eau a accepté l'offrande de ce féticheur et l'eau est sortie, l'ange de l'eau est sorti, l'ange mauvais de l'eau est sorti, aller emprisonner la vie des foyers. Il y a des gens qui vivent mais qui n'évoluent plus, leur vie est dans l'eau. C'est pour ça que la mère doit rendre ses morts, parce qu'elle a tué des gens, elle a commencé à les tuer pendant qu'ils étaient encore vivants, jusqu'à ce qu'ils soient enterrés. Mais pendant qu'on les a inhumés, on les a inhumés, donc on les a mis en terre, leurs âmes sont dans la mer. Il y a des gens qui disent, quand on meurt, on va au ciel. Quand on meurt, il y a des âmes qui vont être emprisonnées dans la mer. Et je veux vous informer qu'il y a, bien-aimés, il y a des personnes qui ne le savent pas. Quand on meurt, on va dans des endroits qu'on appelle l'au-delà. Et la mer a l'âme de certaines personnes. Bien qu'elles sont vivantes, elles marchent comme ça, mais leur esprit se trouve dans la mer. Leur esprit se trouve dans les océans. Leur esprit se trouve au fond de l'océan. Et je vais vous dire que lorsque on étudie un peu le système de l'enfer, le pandémonium, nous voyons qu'il y a un monde qui existe. Je répète bien, un monde qui existe sous l'eau. Bien-aimé, si tes affaires, bien-aimé, si ton travail, bien-aimé, si tes finances avaient été enterrées par la mer, je déclare que ces finances sont ressuscitées maintenant. Je déclare que ces finances, amen, si c'est mouillé, que ça rentre directement dans l'appareil, ça bousille les choses. Il faut sécher ça. Amen. Il faut, bien aimé, que vous soyez connectés ce soir. Je veux parler à un chrétien en ce soir. Je veux vous dire que peut-être que vous êtes à l'église, vous, alléluia à l'église, mais vous ignorez des choses. Pourtant, ces choses sont devant vous dans le livre d'Apocalypse. J'ai dit que la mer a emprisonné. Tu es vivant, mais tes dossiers sont sous la mer. Parce qu'une personne est allée à la mer pour parler contre toi. Mais bien aimé, commence à te concentrer, invite tes amis, invite tes frères et sœurs. Ce que je vais dire est très délicat. Ce que je vais dire, tu ne dois pas rater ce que je vais dire. La mer est arriviste. L'eau est arriviste. La mer est gourmande. La mer commence à obéir le premier venu qui donne mieux et qui donne plus. Et c'est pour ça que la mer sera jugée. Les gens vont comprendre une nouvelle chose aujourd'hui. Verset 13 dit, « La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. » Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Depuis que nous étions à l'école du dimanche, nous avons entendu chacun fut jugé selon ses œuvres. Et nous avons cru qu'on parlait encore des humains. Non. Prenons le verset 12. La dernière phrase du verset 12 dit, les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Point. Et c'est après ça, au verset 13, que la Bible dit, et la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé. Mais on a toujours cru que le chacun, c'était les morts qui avaient été rendus. Non.
C'est dans la suite que vous allez comprendre cela. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Vous voyez maintenant. Donc la suite explique de qui on parlait depuis le début, au verset 13. Donc, je vous informe que le séjour des morts, là, c'est une partie de la terre qui va aller en enfer. Donc, c'est pour vous dire que les entités comme terre sont des entités comme des génies, comme des djinns. Et ces entités-là seront jugées. Si vous voulez, prenez n'importe quelle version, ça va me rejoindre. Il y a une partie au verset 12 qui parle du jugement des humains et l'autre partie du jugement des entités. Et pourquoi le séjour des morts et une partie de l'abîme, tout là sera jugé? Pourquoi ils seront jugés? À cause de leur arrivisme. Ils sont censés être au service de la création, mais enfants de Christ. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas que nous voyons sur terre. N'importe qui peut venir invoquer la mère et la mère commence à obéir. Qui est le plus souffrant dans cette affaire? C'est le chrétien. Puisque l'Église n'a pas formé les chrétiens à aller activer les eaux en sa faveur. Donc nous avons abandonné les plages, nous avons abandonné les eaux, nous avons abandonné la prière de l'eau et maintenant nous sommes là en train de prier Jésus seulement à l'église. Et qu'est-ce qui se passe? C'est les vaudous qui ont compris que l'eau est remplie, l'eau détient des personnes, l'eau détient des humains. My God. C'est les païens qui ont compris que l'eau détient aussi des trésors. Et c'est les païens qui ont compris que l'eau est capable de nous donner de la puissance, mais aussi de détruire nos adversaires. Je vais vous parler d'une formule spirituelle que les mystiques païens le font. Ils prennent une bouteille, ils écrivent le nom d'une personne sur un papier. Et ils recueillent l'âme de la personne. Ils ajoutent au papier, à la feuille de papier, ils mettent dans la bouteille, ils ferment et ils jettent dans l'eau. Maintenant, quelqu'un va se demander comment on prend l'âme de quelqu'un. Si vous voulez, je vous dis, le nom d'une personne ne suffit pas seulement pour faire du mal à la personne. Il y a des personnes qui ont l'âme qui est très accessible. Quand on prend leur nom, on peut les incliner. Mais je peux vous poser une question. Si le nom et le prénom et le nom de la mère de la personne suffisaient pour le contrôler, si ce nom suffisait pour le contrôler, plusieurs personnes allaient contrôler le cœur du chef de l'État de la Côte d'Ivoire. Plusieurs personnes allaient contrôler le cœur de la reine d'Angleterre. Il y a des personnes qui ont des hauteurs et certains acomptes spirituels. On ne peut pas les contrôler rien qu'avec leur nom. Par contre, il y a des gens qui ne pèsent pas lourd. Les mystiques aiment peser. Les prophètes, les hommes de Dieu, on aime peser. Je n'ai pas peur, je ne me dérange pas de le dire. Il y a des gens, des personnes quand elles nous approchent, on connaît qu'elles sont faibles. Et puis d'autres fortes. Même les rumeurs qui ont divisé beaucoup d'églises. Vous allez remarquer que les rumeurs ne vont jamais vers les personnes les plus fortes de l'église. Les ragots dans l'église là se dirigent toujours vers les esprits faibles. C'est-à-dire, vous allez voir un proche de l'homme de Dieu. Les gens ne viendront jamais vers le proche pour dénigrer l'homme de Dieu. Ils vont toujours localiser peut-être une nouvelle personne qui vient d'arriver dans l'église, qui est un peu nantie, qui fait le bonheur de l'homme de Dieu. Et puis, ils vont se dire, bon, ça, on va essayer de dénigrer la personne. C'est pour ça que j'ai dit à un chrétien, si tu es assis dans une église où tu es auprès d'un homme de Dieu et qu'on t'écrit en inbox pour dénigrer ton pasteur, la personne vient de t'insulter. C'est-à-dire, la personne vient de dire que quand il te regarde, tu es faible. Tellement faible d'esprit que c'est à toi qu'on vient parler. Le jour que quelqu'un viendra critiquer l'évêque Mike Steve Jordan, mon père est l'homme de Dieu le plus controversé du Gabon. Mais jamais quelqu'un n'osera venir vers moi parce que je suis lourd. Donc quand tu es faible dans le monde spirituel, on peut utiliser simplement ton nom pour incliner ton cœur. Maintenant, quand tu as des acomptes, tu es un peu dur, le sorcier, le charlatan va exiger quelque chose d'autre. Il va demander, oh j'aime ce moment que je suis en train de donner, soyez plus nombreux. Pendant que tu cliques, j'aime, Dieu travaille, invite des gens à venir, nous devons monter. Alors, amen, écoutez-moi bien, regardez bien ce que je suis en train de dire. Alléluia. Regardez bien ce que je suis en train de dire. Il y a maintenant une chose qu'ils vont demander, soit un cheveu.
Vous savez, c'est quand un humain meurt, ses cheveux ne pourrissent pas vite. C'est la dernière chose à se décomposer. Avec les ongles, la peau disparaît, mais les ongles restent encore. Est-ce que vous savez que même parfois, quand quelqu'un décède, ses ongles continuent quand même à pousser un peu avant de s'arrêter. Donc, les cheveux, les ongles ou la sécrétion d'une personne. C'est pour ça que souvent, certains marabouts ont des petits qu'ils envoient dans des quartiers. Eux-mêmes, pour voir, ceux qui sèchent le linge dehors, c'est comme ça qu'ils viennent, ils coupent des morceaux du tissu ou du pagne ou de l'habit de la personne qui veut l'emprisonner. Ou ils localisent le coiffeur où tu te coiffes. Ils localisent cet endroit. Le jour où tu vas te coiffer, quand tu finis, ils rentrent, ils font semblant de se coiffer et puis ils cherchent. Ou ils rentrent même avec toi, ils sont là, ils attendent. Quand on finit, ils prennent tes cheveux. Et donc, ils ont besoin d'autre chose au-delà de ton nom. On a besoin de quelque chose de ton âme. My God. My God. Ils ont besoin de capturer ton âme. Ils ont besoin de prendre quelque chose qui t'appartient. Et c'est comme ça qu'ils joignent ces choses-là. Mon Dieu, ils mettent ça dans une bouteille. Quand ils jettent, en fait, je vais vous dire, quand ils veulent vous faire du mal, ils prennent une bouteille en plastique. Ils naviguent sur l'eau, ils vont jeter la bouteille en plastique au milieu de la mer. Et c'est comme ça, votre vie monte. Et vous savez, si on met votre âme sur l'eau comme ça, sur une bouteille flottante, si c'est la mer, la personne veut vous faire du mal. Mais si la personne veut vous faire très mal, il va aller dans un lac ou dans un cours d'eau simple. Pourquoi? Parce que quand la marée est basse, les cours d'eau comme les lacs et autres tarissent plus que la mer. Donc, quand l'eau tarit, il y a une sécheresse financière qui arrive dans la vie du monsieur. Quand l'eau monte, ça va un peu. Mais quand on met sur la mer, ça veut dire que ta vie va devant. L'eau reprend, ça ramène derrière. Et il faut avoir la chance par des prières que ta bouteille se retrouve sur la plage. Et quelqu'un prenne qu'il ait envie d'ouvrir, tu es sauvé. Parfois, ils prennent une bouteille en verre, ils mettent des billes, des cailloux, votre âme, ils jettent, ça va au fond. Et souvent, ils utilisent le cadenas. C'est comme ça on dit partout, hein, le cadenas. Ça se dit, non? On ouvre, ils prennent le papier et le cheveu et l'ongle. Ils disent ce qu'ils veulent atteindre de toi. Tout ce qu'ils disent, ils brûlent, ils prennent la cendre, ils mettent au fond du trou de l'orifice de fermeture. Quand ils ferment, ils verrouillent. Il jette, c'est fini. Seule la grâce du nom de Jésus peut faire exploser ce cadenas. Sinon, si ce n'est pas la grâce là, tu vas vivre une vie chrétienne, tu pries, mais ton âme va devant, ton âme vient derrière, tu es troublé. Et ta vie sera une vie de cauchemar. Parce que sous la mer, les êtres qui sont là-bas, bons comme mauvais, y a pas, ils sont rarement beaux. Que ce soit les bons anges ou les mauvais anges, ils sont rarement beaux. Alors, voilà comment ils vont. Et la mère est arriviste. La mère qui est là, elle est là, hein? C'est le premier venu qui donne. C'est celui-là que la mère exécute. Alors vous n'allez pas si souvent dans la mer, mais vous restez à l'église. Quelqu'un dit, il y a des chrétiens qui aiment dire, tout ça là, ça n'a aucun effet sur moi. J'ai le nom de Jésus, je suis baptisé, confirmé. Écoutez-moi bien, que tu sois baptisé, confirmé, tu peux ne pas être possédé d'un démon parce que tu es chrétien, mais influencé de dehors. Parce que nous sommes dans une vie de combat. Dans la parole de Dieu, le Seigneur a dit, quand Adam et Ève ont péché, le Seigneur a dit au serpent, à partir d'aujourd'hui, tu mangeras la poussière de la terre. Il dit, la femme là, son fils t'écrasera la tête et toi, tu vas lui mordre le talon. Est-ce que Dieu a dit, le fils va écraser la tête et c'est tout? Le diable aussi va mordre ton talon. Donc ça veut dire que le combat là, on prend des coups. Tu écrases, il te mord. Tu écrases, il te mord. Donc j'aimerais vous dire que vous pouvez souvent être attaqué et influencé. Jésus-Christ devait être naître roi, non? C'est parce que toutes les prophéties ont dit dans Isaïe. Mais il est né où? Il est né dans une mangeoire, dans une bergerie. Mais quand Hérode a commencé à persécuter les enfants. Il est allé en Égypte. Oh, l'Égypte, c'est le lieu du péché, non? Pourquoi il est allé en exil? Pour fuir Hérode. Le même Jésus est allé en exil.
Quelqu'un dit amen. Donc vous pouvez être chrétien et être influencé par des attaques. Vous pouvez être chrétien et être influencé fortement et terriblement par des attaques qui viennent de la mer. C'est pour ça qu'à votre tour, vous devez activer l'ange des eaux. Donc revenons dans le livre d'Apocalypse. La mer sera jugée. Ce qui est plus précis, c'est que le séjour des morts, mais qui est l'autre nom de la terre, sera jugé et jeté après dans le feu. Ça, c'est plus précis pour la terre. Maintenant, pour la mer, écoutez-moi bien. La mer, l'eau a plusieurs fois été activée contre les nations. L'eau a plusieurs fois été activée contre des humains ou pour des humains. C'est pour ça que je viens à ma qualité de prophète vous dire que l'eau ne vous fera plus du mal. Amen. Où que vos ennemis soient postés, où qu'ils ont parlé à l'eau ne vous fera plus du mal. Amen. Je vais vous dire que nos nations sont nées devant l'eau. Or, ce soir, vous allez apprendre des secrets. Vous savez, l'eau qui est là, l'eau est le médiateur entre les esprits et nous. Elle est un interprète, mais pas l'unique médiateur. L'eau est un interprète. L'eau, je vous dis, je ne sais pas comment j'ai parlé à un chrétien. L'eau peut traduire pour vous face à des esprits, face à des génies qui ne parlent pas français. Je vais vous donner un secret. Vous savez, il y a deux types d'anges, il y a deux types d'esprits. Il y a les anges qui parlent notre langue, qu'on appelle les Gabriels. Gabriel veut dire homme de Dieu. Ces anges-là sont polyglottes, peuvent parler notre langue. Mais c'est des anges messagers qui n'ont pas tout le temps pouvoir d'exécution. Eux, ils ont juste pouvoir d'information. Quand Gabriel vient et dit, femme, tu auras un fils. Et Marie lui demande, comment cela se fera-t-il? Quand l'ange vient, il ne vient pas avec un enfant. Lui, il vient juste te dire que tu auras quoi? Un fils. Mais quand il demande, comment cela se fera-t-il? Il dit, le Saint-Esprit viendra et te couvrira. Donc, ce n'est plus lui. Les anges messagers, je ne dis pas qu'ils sont faibles, mais dans le clavier angélique, les anges messagers n'ont pas pouvoir d'attaque, de défense. Quand tu regardes, tu lis le livre de Daniel, quand l'ange Gabriel, Daniel 9, Daniel 10, quand il arrive, il vient informer. Quand il arrive, il vient juste informer. Maintenant, il y a une deuxième catégorie d'anges qu'on appelle les exécuteurs. Ce sont les anges d'une certaine famille, les kéroubes. C'est des anges qui ne comprennent pas français. Dans le livre d'Apocalypse, regardez comment on les décrit. On dit, Apocalypse 4, verset 6 dit, verset 7 dit, le premier être vivant, le premier ange que j'ai vu ressemblait à un lion. Est-ce que le lion y parle? Le deuxième ressemble à un bœuf. Est-ce que le bœuf y parle? Le troisième ressemble à un humain. Oui, un humain peut comprendre notre langage. C'est justement eux qui sont les Gabriel. Et le dernier est un aigle. Maintenant, en mathématiques, 4. 3 sur 1 sur 3, ça fait combien? Un quart. Non, 1 sur 4, ça fait un quart. C'est-à-dire sur 4 êtres. Il y a un seul qui peut parler notre langage. Donc, il y a combien? 3 quarts qui ne parlent pas français. Donc, ça veut dire qu'il existe plus d'êtres qui ne sont pas capables de parler comme nous que d'êtres qui parlent comme nous. Yes. Donc, le taux d'esprit qui nous ressemble sont inférieurs. Donc, on a seulement un quart qui parle comme nous, qui nous ressemble. Donc, il est susceptible, il est plus évident de croiser des êtres qui ne nous ressemblent pas que de croiser des êtres qui nous ressemblent. C'est une soirée de secrets. Il est plus évident de croiser des êtres bizarres que d'en croiser qui nous ressemblent. Maintenant, je veux dire à un chrétien qu'il est possible que tu aies chassé ton ange gardien en croyant que c'était un démon. Parce que tu lis beaucoup les contes, tu lis la mythologie égyptienne, gréco, tout ce qui est antique, aux Grecs et aux,
aux Égyptiens. Vous allez voir que dans la mythologie qu'on a appris à l'école, il y a ce qu'on appelle le Minotaure. Le Minotaure, fiston Minotaure, quand il va taper, vous allez voir, peut-être qu'il va vous partager sans doute l'image. Un Minotaure, ça s'écrit M-I-N-A-U. Non, M-I-N-O-T-A-U-R-E. Voilà, Minotaure. Et ce qui est sur l'un des O s'écrit avec A-U. C'est une bête de la mythologie, un dieu de la mythologie qui a une tête de bœuf et un corps d'homme. Bon, or, l'Apocalypse nous dit qu'il y a un ange comme ça. Apocalypse 4, verset 7. Vous pouvez lire pour vérifier. Apocalypse 4, verset 7, tu peux télécharger l'image. Bon, ok, vas-y, avec ce que tu fais. Sinon, si tu télécharges simplement, tu vas dans la galerie, tu peux partager là-bas. Donc, Apocalypse 4, 7 nous montre très bien ce tête-là. Il a une tête de bœuf, un corps d'homme, des ailes. Bon, toi, quand tu as lu les contes de fées et que tu crois cet ange, qu'est-ce que tu vas faire automatiquement? Tu vas le chasser, sans le vouloir. Combien de chrétiens n'ont pas chassé un tel être comme celui qui s'affiche à l'écran maintenant? Combien de fois les chrétiens ne l'ont pas fait? Amen. Donc, moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que n'ayez pas peur. Vous qui me suivez, vous qui avez peur d'être jugé, n'ayez pas peur. Je parle et je suis au cœur de la parole de Dieu. Amen. Maintenant, ce que j'aimerais vous dire, ces êtres-là, comprennent pas français. Ce pourquoi vous ne les voyez pas, et cela c'est dans mon livre que je vais faire sortir bientôt, pourquoi vous ne voyez pas les anges? Pourquoi les anges ne vous apparaissent pas? Parce que vous les invoquez en français. Vous dites, je veux te voir. Ils ne comprennent pas ça. Parce que vous vous adressez directement à eux. Si vous dites, Dieu Seigneur, permets que je voie, c'est dans le bon vouloir de Dieu. Mais si vous voulez les invoquer directly, directement, ben, écoutez-moi bien, ils ne comprennent pas. Dites, venez, venez, les anges ne comprennent pas notre langage. Je peux vous donner un exemple. Lorsque le peuple d'Israël devait sortir, la dixième plaie, Dieu dit, je vais tuer les premiers-nés des Égyptiens. Mais le soir, vous, en tant que juifs, vous devez prendre le sang d'un agneau et mettre sur le linteau de vos portes comme un signe. Comme ça, le soir, si l'ange de la mort, là, il passe, c'est un ange lion, un Ariel noir. S'il passe pour manger les premiers-nés, il ne passera pas chez vous quand il va voir le sang. Ma question scientifique est, si Dieu décide de faire le génocide d'un peuple, a-t-il besoin de demander aux autres peuples de mettre une marque sur leur porte? C'est une affaire d'ethnie, non? Quand l'ange vient, si tu parles égyptien, on te tue. Et d'ailleurs, même si tu as du sang égyptien, on te tue. Mais parce que Dieu est en train de nous enseigner que, peu importe ce qu'il annonce comme prophétie, l'ange qui doit venir exécuter ne comprend rien en français. Lui, il connaît le langage des signes. Je vais vous donner un exemple. Ça veut dire que ce même soir, l'Égyptien qui avait une petite amie juive, cet Égyptien-là, s'il avait été informé par sa petite amie que mon Dieu dit qu'ils vont tuer les premiers-nés, et comme tu es mon chéri, tu es premier-né de ta famille, prends du sang, mets sur ta porte. Je vous promets que si cet Égyptien-là faisait ça à l'époque, l'ange allait passer ailleurs. Parce que l'ange ne comprend pas l'ethnie des Juifs. Il connaît les signaux, l'ethnie des signaux. Donc, pour parler aux entités, il faut leur parler avec des vibrations ou leur parler avec des signaux. Maintenant, si vous ne connaissez pas les signaux, vous devez comprendre qu'entre vous et les esprits, il faut qu'il y ait un liquide. Parce que l'eau est le plus grand interprète du monde. L'eau comprend tout. L'eau comprend tous les langages. Il n'y a pas une ethnie que l'eau ne connaît pas sur terre. L'eau, là, que vous voyez là, connaît tout. Pourquoi? Parce que quand Dieu créait le monde, l'eau était déjà là. Quand Dieu créait la terre, l'eau était déjà là. Quand Dieu créait cet univers, l'eau était déjà là. Bien-aimé, je peux parler à quelqu'un? Amen. Lisez très bien la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et ce qui me plaît,
c'est qu'à un moment donné, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va dire à un moment donné, terre, produisez les animaux. Et Dieu dit, oh, produisez aussi les animaux. Nous sommes entre le troisième et le quatrième jour. Mais bien aimé, le troisième et le quatrième jour, écoutez-moi très bien. Est-ce que l'homme était créé? Pas encore. Donc l'eau existait déjà avant que l'humain ne soit créé. Donc les villages se sont formés à côté des eaux. Et je tiens à vous dire une chose. Si vous voyagez, que vous partez aux États-Unis, bien qu'étant francophone, si vous faites 2 ans, vous allez comprendre la langue des Américains. Vrai ou faux? Si vous envoyez un serpent chez vous, bébé, un serpenteau qui vient de sortir de l'œuf chez vous, au bout d'un an, le serpent va comprendre tout ce que vous dites. Si vous envoyez un animal, même si c'est un lion, allez à Dubaï, vous allez voir. Il y a des gens qui élèvent des lions. Le lion est sauvage, mais s'il vit, il grandit dans un environnement humain, il commence à comprendre tout ce que les humains disent. Pour ceux qui élèvent des caniches, des chiens, savent de quoi je parle. Je tiens à vous dire, pour le simple fait que l'eau a été là pendant que des villages se sont créés, l'eau connaît les tinis maintenant. L'eau sait ce que les gens disent dans le village. Donc, c'est pour ça que les vieux, quand ils veulent s'adresser au génie, ils prennent de l'eau et ils versent pendant qu'ils parlent. Parce que c'est l'eau qui traduit ce qu'ils disent au génie. C'est ça, on dit que l'eau est un interprète. Voilà d'où vient le fait que Daddy Mystica dit que l'eau est un interprète. Elle interprète entre nous et les esprits. Donc ce soir, que l'eau soit ton allié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ce soir, que l'eau soit ton allié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc en ce jour, que l'eau témoigne pour toi. Que l'eau parle pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pasteur, dans ton plan, il doit avoir l'eau et moi. L'eau, alléluia, est un interprète. Et ce soir, vous avez consacré l'eau. Et ce soir, vous verrez que l'eau va commencer à travailler pour vous. Amen. My God. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir avec votre eau? Quelqu'un me demande, Daddy Mystica, qu'est-ce que je fais avec l'eau? L'une des choses que je vais te conseiller, prends cette eau, connecte cette eau à ton visage et à tes mains après. Garde une partie de cette eau dans une bouteille précieusement. Je te dis ce que tu vas faire avec le lait. Vous vous rappelez, hier, je vous ai dit d'avoir du lait. Je vais vous expliquer. Qu'est-ce que vous allez faire demain? Qu'est-ce que vous allez faire après demain avec le lait? Je vais vous dire ça. Et ce soir, vous êtes en train d'entendre un vrai évangile. L'eau parle pour vous. L'eau connaît vos ethnies. Je suis allé dans un village pour chasser des démons et prêcher l'évangile. On a attrapé une petite sorcière qui a confessé et qui a commencé à donner le nom de toute sa confrérie. Dans cette confrérie, il paraît que le chef, c'était une jeune fille. Une jeune fille comme ça. Et la jeune fille, on l'a mis au milieu pour faire sa délivrance. Avant d'arriver à elle, on a fait la délivrance des autres de la confrérie. Elle tombait de partout. Et Dieu m'a dit que le génie, l'esprit qui domine dans la, qui fait régner les sorciers, c'est un génie, mais il habite dans cette fille-là. Donc, j'ai chassé plusieurs démons dans cette fille, les démons partaient. Maintenant, c'était le tour de ce génie. Dans le même corps, c'était le tour du génie. Je parle en français. Sors! Qui es-tu? Quel est ton projet? Il ne parle pas. Donc, la fille était évasive. Après, elle restait calme. Mais Dieu m'a dit, tu sais, fils, le génie, depuis que tu parles en français, il n'exécute pas. Parce que c'est un génie qui est très ancien, il n'est jamais sorti du village, donc il ne connaît pas le français. C'est un village très traditionnaliste qui parle que leur ethnie. C'est les Akans. Et donc, depuis, je faisais, elle ne réagissait pas parce que ce n'était pas elle son oreille, c'était l'oreille du génie qui ne comprenait pas ce que je disais. Donc, j'ai appelé mon fils qui, est qui connaît, qui comprend l'ethnie, qui parle l'ethnie de ce peuple et qui est lui-même de ce peuple. Quand je parle en français, quand je dis « Esprit, qui es-tu ?» Il parle dans l'ethnie. L'esprit commence à répondre « Je suis... » Il commence à parler.
C'est moi qui donne le pouvoir mystique aux gens d'ici. C'est moi qui ai fait que tel cadre qui est devenu ministre l'est devenu. C'est moi qui ai donné le pouvoir tant à des gens dans le truc. J'aime le sang du bouc. J'aime le sang du bélier. Je n'aime pas le poisson. J'aime pas quand on cuisine, on met le poisson dedans. C'est comme si tu m'as offensé. J'ai détruit la vie de la famille tant. Parce qu'ils m'ont offert un jour un repas pendant la fête d'Ignam. Il y avait du poisson dedans. Le poisson sans écailles. Donc, il n'a pas apprécié qu'on lui donne du mâchoire. Donc, il a commencé à dire des choses. Parce que là, on a commencé à parler dans son nom. Après, quand j'ai commencé à le chasser, j'ai dit au nom de Jésus, pas. Le monsieur interprétait, Jésus, nomme-nous, fidèle. Et en même temps, le truc a commencé à se manifester. Et on a manqué de vigilance. Ça, je ne l'avais pas dit. Je raconte aussi souvent ce témoignage. La fille a commencé à courir pour entrer en brousse. Parce qu'en chassant le génie, il partait dans l'eau, mais il partait avec le corps de la fille. Heureusement qu'on a rattrapé. Donc, il fallait faire une séparation. Permettre au génie de partir et laisser la fille là. Mais vous savez ce qu'on a fait pour que le génie puisse partir? J'ai demandé qu'on aille puiser 20 litres d'eau. 20 litres d'eau. De l'eau là, qui est dans le village. Et c'est à presque 2 heures de temps, à vélo. Ils sont partis, on a attendu, la fille était là. Ils sont revenus avec l'eau. J'ai dit, rentre dans l'eau, rentre maintenant, pour qu'on puisse te transporter, pour te jeter. Il dit, n'arrive pas à partir. Et c'est comme ça que j'ai dit, envoyez-moi du bangui ou de la boisson frélatée. Et les gens ont couru, ils ont envoyé du bangui, du koutoukou. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ouvre, je parle à l'esprit. Quand je verse dans l'eau, l'esprit est rentré dans l'eau parce qu'on a mis à boire dedans. Et maintenant, tous ceux qui transportaient, celui qui avait transporté 20 litres d'eau pour venir, là, il ne pouvait plus soulever les 20 litres d'eau pour partir. Ce n'était pas impossible. Impossible de prendre les 20 litres d'eau. Ils ont même pris un long bois, une poutre pour mettre dans le bidon à deux pour prendre. Le bois s'est cassé et on a vu un autre chevron en fer, c'est ça qui a réussi à prendre le truc. Et c'était devenu lourd et ils ont pris, étaient obligés de marcher des heures et des heures pour aller verser toute l'eau là dans l'autre eau qui était là-bas. Écoutez-moi très bien, le monde spirituel a des principes. Ce n'est pas une affaire d'alléluia, on est à l'église. Il faut être un homme de Dieu très inspiré pour aller à l'aventure. C'est pourquoi beaucoup de prophètes s'entassent ici en ville. C'est parce que Dieu a pitié de nous, il préfère nous mettre en ville. Si on allait faire l'œuvre de Dieu, la mission à l'intérieur, je salue au passage tous les prophètes qui font l'œuvre de Dieu à l'intérieur. Ce n'est pas du tout facile. Là-bas, les démons ne sont pas apprivoisés, ils sont sauvages. Les sorciers ici, là, sont trop civilisés. Ils sont des sorciers en costume. Ils viennent, ils louent avec toi. Oh, mais là-bas, c'est des défis. Et je salue tous les pasteurs qui sont à l'intérieur. Je reviens pour dire à un chrétien, soyez plus nombreux. Soyez plus nombreux parce que je veux que les gens ne ratent pas ce que je suis en train de dire. Amen. Donc, c'est pour ça que je vais vous dire que demain, l'eau là, le reste là, mettez un peu de lait dessus. Yesu, likamalekaruza. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire? Vous allez prendre un peu, on appelle ça la prière de Canaan. Vous mettez le lait. Si vous avez un peu de miel, vous mettez dans l'eau là, puis vous faites une libation. Chavaro. Vous allez attirer les plaisirs du monde dans votre vie, le luxe dans votre vie. Parce que, vous savez, il y a un ange. Ah! Shidara, je suis en train de donner des secrets. Vous savez ce qui me fait mal quand je donne mes secrets? Je sais qu'il y a des hommes de Dieu qui ne m'aiment pas, qui me critiquent, ils vont s'asseoir pour prendre note. C'est un peu ça qui me rend jaloux. Mais comme l'Éternel me met en transe, il me dit de parler aux humains, à l'humanité, c'est pour ça. Sinon, si ça n'était qu'à... Si je devais regarder à ces pharisiens-là, je n'allais pas donner ce secret-là. Canaan est un ange. Canaan. Derrière un nom se cache un esprit. On dit Canaan n'est pas un lieu. Canaan n'est pas un homme du moins. Canaan, c'est un pays. C'est-à-dire, c'est une entité territoriale. On dit où coule le lait et le miel. Donc, je vais vous montrer l'opération Canaan. En fait, ce qui fait que cette entité demeure là où coule le lait et le miel, c'est l'entité n'est pas le lait et le miel. L'entité aime le lait et le miel. Et donc, quand on dit le pays où coule le lait et le miel, ce n'est pas le pays où on va trouver des fleuves de lait et de miel, non. C'est le pays où la culture des géants de là-bas font des libations avec le lait et le miel pour maintenir leur prospérité. My God. On dit le pays où coule. C'est, dans l'autre terme, le plus ancien araméen, Tanakh,
On dit c'est le pays où le peuple aime à faire couler le lait et le miel. My God! Le pays où le peuple aime à faire couler. Et ce pays qu'ils sont venus trouver, vous savez, le pays ne leur appartenait pas. Mais ils ont bâti des villes, il y avait des géants là-bas qui sont nés, des géants. Or, quand on dit des géants, les géants sont des hommes moitié esprit, moitié humain. Mais ils aimaient habiter là-bas. Et comment les dieux se comportent? Ils font des libations. Et je vais vous dire que si vous faites une libation avec du lait, si vous avez un peu de miel, vous complétez, vous commencez à arroser la terre avec cette eau qui est votre allié. Si vous le faites avec une autre eau qui n'a pas été exposée à cette somme que j'ai récitée, ça ne va pas prendre. Si vous faites aïe, 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 moi, soukouria daro, meli kakatouya, machina, lesoukouria, bradoku satayaba. Tant je vais remettre, j'ai l'impression que Jésus-Christ, merci, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur, parce que tu es en train d'agir. Merci parce que Seigneur, tu es en train d'agir. Merci Jésus, parce que tu es en train de te manifester. Merci parce que c'est des secrets. C'est des secrets. Il est possible. Moi, si ça me prend comme ça, j'ai supprimé ça sur les réseaux sociaux. Les quatre. Si vous n'avez pas retenu, vous n'avez pas téléchargé, moi je vais tout supprimer parce que c'est trop puissant. C'est trop puissant ce que vous êtes en train d'écouter. Le pays où coule le lait et le miel. Vous prenez un peu de lait, vous mettez le, vous faites vos libations, vous allez voir les choses, vous allez avoir une vie full option. Je dis bien full option. Vous savez, le genre d'ange qui est dans les détails, qui remplace tout, même ta montre qui n'est plus à l'heure, la pile est finie, ça doit changer. Ton téléphone qui est l'écran est gâté, tu dois changer. Hier, j'étais j'ai vu dans les vitrines un téléphone qu'on appelle Samsung S22 Ultra. Ah my God, j'ai regardé le téléphone. J'ai dit, mais est-ce que ça, c'est pas mon prochain téléphone par hasard? Bien-aimé, Dieu va t'en... Regarde, tu vois, vous voyez, on m'a dit que c'est un téléphone, quand tu fais tu fais zoom, il y a une option enregistrer directement, tu enregistres et l'écran est pur, tu peux rediffuser ça après. Cette eau-là, je vais verser ça. Toutes vos eaux, vous qui êtes là en présentiel, vous savez que même si vous n'avez pas parlé, quand j'ai parlé pour vous, c'est exposé. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Dieu me dit que l'ange du... Oh my God, nous sommes en train d'être plus nombreux. Commencez à cliquer. Est-ce que vous savez ça? Que il sait maintenant... vous savez, les gens sont en train d'être nombreux. On vient s'encamparer, manger... Regarde, vous êtes en train de manger du miel, du très bon miel. Ce soir, Dieu est en train de te visiter. Ce soir, Dieu est en train de travailler. My God, tu vas commencer à dire amen pendant que je suis en train de prophétiser. Tes mains conduiront des voitures de luxe. Tes mains feront des exploits. Tes mains rentreront dans des hauts lieux. Écoutez-moi bien. Tu ne mangeras pas à la table des grands seulement. Les grands viendront manger à ta table. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyons plus nombreux que ça. Je vois une armée de plus de 800 personnes qui sont en train de bénéficier de ce passage-là maintenant. Je suis en train de parler et l'ange de l'Éternel chauffe sur vos eaux. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, qui que vous soyez, la puissance de Dieu maintenant chauffe sur vos eaux. Je déclare que vous viviez une vie de Canaan. Vous vivez une vie de Canaan. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Pendant que je suis en train de parler, je vois l'ange de l'Éternel est dans des maisons. Je suis en train de parler à des personnes, tu es chez toi. Je sais, je dis bien, tu es chez toi à la maison. Sylvie au Bénin, je suis en train de te parler. Dieu, regarde là, juste à côté de toi, il y a un ange qui est là, l'esprit est là, l'ange est là pour accompagner, pour attester ce que je suis en train de dire. Oh my God, Dieu est en train de travailler dans la vie de moi. Je prends maintenant autorité, je me tiens dans le sang de Jésus et je prophétise sur des personnes. Est-ce que tu es prophétisable ce soir? Est-ce que tu es prophétisable ce soir? Je veux prophétiser. Tu t'appelles Bonnie Stéphane. Maintenant même, l'Éternel est en train d'agir. Je suis en train de parler à une personne, tu es de garde. En ce moment, je suis dans un lieu hospitalier. Ne crains pas, ne te dis pas, je suis à la maison, je suis au travail, je redis être. Non, Dieu aussi te visite. Dieu est en train de travailler dans la vie de certaines personnes. Croyez-moi, Dieu travaille dans la vie d'une personne du nom de Placide.
Dieu est en train de faire pour vous cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors connais Ben. Maintenant tu es connecté, tu es en ligne maintenant. L'ange de l'éternel surfe. Justin Nguessan, l'ange de l'éternel surfe. Surfe maintenant sur vos activités. Par la puissance de Jésus. Je veux parler à Liliane. Liliane, tu es visitée par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux parler à ma fille Victorine Las, très abonnée. Elle suit, elle ne rate pas. Vois maintenant pour toi la gloire de Dieu. Nombo Vincent en Italie. Maintenant, Dieu t'atteint. La puissance de Dieu t'est affectée. Ton eau maintenant est remplie. Sois rassasié. Alice Coco, maintenant même, Dieu est en train de travailler par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. L'eau n'est plus de l'eau, l'eau est un ange. Dis à l'eau maintenant, oh, tu n'es plus un simple liquide. Tu n'es plus un simple liquide physiologique. Tu es un ange. Tu es mon allié. Partout où il y a l'eau, j'ai la chance. Tant qu'il y a un robinet dans un lieu, je n'ai pas de poisse là-bas. Peu importe l'entreprise, pourvu qu'il y ait de l'eau, on ne me rejette plus. On ne me rejette plus. Peu importe le lieu. Je dis, tant qu'il y a l'eau, l'eau est sucrée pour moi. Peu importe le territoire. Même si les autres échouent là-bas. Moi, je n'échoue pas. Même sol. Mais pas le même sort. Je veux parler à Pierrette. Pierrette, depuis les États-Unis, tu es localisé. Pierrette, mets la main sur ton bas-ventre. Dieu me dit que je dois parler à ton ventre. Mets la main sur ton bas-ventre et reçois ton miracle. Sécurise l'eau d'abord. Il ne faut pas tomber sur l'eau pour verser ton eau qu'on a bien consacrée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, maintenant, David, tu es connecté. Tanou, tu es connecté. Emmanuel, tu es connecté. L'eau maintenant est ton allié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'eau est ton allié maintenant même. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'eau est ton allié maintenant même. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis Amen bien fort. Amen. Tu peux t'asseoir royalement, je continue. Aïe, 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 aïe. Ah, Seigneur, tu es présent. Seigneur, je veux te bénir. Seigneur, je veux t'adorer pour le Réma. My God. Depuis l'Angola, Fernandez, apôtre Fernandez, reçois ta grâce. Qui prie, recevez votre grâce. Je veux continuer à parler. Amen. Ce pourquoi l'eau est jugée nous ramène à comprendre que l'eau est un être. Mais hélas, l'eau est gourmande. Ça doit interpeller les chrétiens. Parce que quand on te dit ta rivale a tué deux poulets au bord de l'eau, voilà pourquoi ton foyer tremble. Toi, tu t'en vas faire jeûne. Voilà l'erreur. Parce que tu jeûnes loin de l'eau et les choses commencent à aller. Le jour où tu te rapproches de l'eau, l'eau t'attaque. Parce que l'eau a reçu l'ordre de t'attaquer. Là où, quand tu arrives dans des lieux où il y a des coups d'eau, ton cœur bat très vite. Et le problème, c'est que toi, tu jeûnes. Tu n'es pas vers l'eau, tu jeûnes. Mais ton mari, quand il arrive quelque part, il y a un coup d'eau, la parole commence à s'accomplir. Et la sœur lui donne si souvent rendez-vous au bord de l'eau, parce que c'est là le maîtrise, Assini Mafia, où toi, tu n'es jamais parti. Il est tout le temps là-bas. Il te dit, il est en mission. Donc, si tu as la chance de croiser un voyant comme moi qui te dit, qu'est-ce que ta rivale a fait? Toi, si tu achètes les mêmes deux poulets, tu mets un escargot dessus, tu as gagné. Tu dois toujours donner un peu plus pour annuler. Et tu ajoutes le nom de Jésus, c'est fini. C'est en ce moment-là que tu vas la mettre. Ton homme de Dieu prie pour toi. Tu reviens, tu fais l'agapé. On ne sait pas forcément jeter le poulet dans l'eau comme les commis. Non. Mais le fait d'abord de savoir où est-ce que la chose a été prononcée, tu annules. Et puis tu fais ce qu'on appelle, comme à l'Église catholique, demander une messe. C'est-à-dire tu viens, tu demandes ta prière et tu fais le don. Et tu dis, je veux reposséder mon territoire. C'est fini. Et tu as gagné. Est-ce que je t'ai donné des secrets ce soir?
Est-ce que je t'ai donné des secrets ce soir? Amen. Amen. Est-ce que je t'ai donné des secrets ce soir? Amen. Est-ce que je t'ai donné quelque chose qui peut te faire évoluer? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que je t'ai donné quelque chose qui peut te faire évoluer? Amen. C'est dans l'autre pièce là-bas, dans l'autre pièce. Amen. Est-ce que je t'ai donné quelque chose qui peut te faire évoluer? Amen. Vous êtes très, 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 très nombreux. Longtemps, tes parents avaient pris les eaux du village comme leur allié, mais les paroles qui ont été dites dans l'eau ne t'arrangeaient pas. C'est pour ça que j'ai annulé ce soir toutes les paroles qui avaient été dites et maintenant j'ai renouvelé les de bonnes paroles pour toi. L'eau maintenant est ton allié, mais dans une dimension christique. L'eau est ton allié dans une dimension hautement christique. Alléluia. Dans une dimension hautement critique. Pendant que je suis en train de parler, maintenant vous allez cliquer des j'aime à répétition, des j'aime à insistance. Vous allez cliquer des j'aime, des j'aime, des j'aime, des j'aime, des j'aime, jusqu'à ce que, bien aimé, nous pulvérisons. Pulvérise, jusqu'à ce que tes mains soient en transe. Prends tes grâces. J'ai dit maintenant, regarde, cette main que tu appuies à l'écran, cette main fait des exploits. Cette main que tu appuies à l'écran, cette main fait des exploits. Cette main que tu appuies à l'écran, cette main fait maintenant des exploits. Papa, 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 pendant que tu es en train de cliquer, c'est ton amen que tu es en train de dire, tes mains conduiront des voitures de luxe. Tes mains seront propriétaires terriens. Avant de quitter ce monde, tu construiras. Dieu te fait sortir de la location. Commence à cliquer j'aime. Commence, sois nerveux aujourd'hui. Commence à cliquer j'aime. Commence à cliquer j'aime. Bien-aimés, nous allons cliquer j'aime. Je veux commencer à prophétiser. Je veux 800 personnes qui restent connectées pendant que je suis en train de parler. Nous allons parler et nous allons commencer à proclamer. Je vais commencer à dire des paroles. Nous commençons à faire monter le mercure. Bien-aimés, fais monter le mercure. Fais monter le mercure. Fais monter le mercure. Cette nuit, je vais prier pour toi devant l'eau. Ici, il y a de l'eau. En face de moi, il y a une lagune. Je vais parler aussi à la mer. Est-ce que tu peux prier? Tous ceux qui ont parlé sur l'eau ce soir, je vais aller faire une prière. Je vais faire une prière pour vous. Bien-aimé, si tu veux être candidat à cela, signale-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, pendant que tu es en train de le faire, oh mon Dieu, je vois encore des personnes, c'est maintenant des gens arrivent. C'est maintenant des gens arrivent, mais ce n'est pas encore trop tard. J'ai dit, est-ce que tu es prophétisable ce soir? Est-ce que tu es prophétisable ce soir? Tapez Sabine, est-ce que tu es prophétisable ce soir? Roland Begré, est-ce que tu es prophétisable ce soir? My God. Viviane Tiamondo, est-ce que tu es prophétisable ce soir? Quand je dis ton nom, Marie-Chantal Seya, tu es connecté en même temps, bien-aimée. Viviane, tu es connecté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Emmanuel, Manu, tu es connecté maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où vous êtes maintenant. Patricia, Yeo, tu es connecté maintenant. Dieu te fait grâce. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant ta grâce et ta faveur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui êtes en Haïti, vous recevez votre grâce. Vous qui êtes en France, vous recevez votre grâce. Vous qui êtes dans les Antilles, vous recevez votre grâce. En Afrique ici, vous recevez votre grâce. En France, vous recevez votre grâce. Aux États-Unis, vous recevez votre grâce dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un a été béni par cet enseignement? Alors je récapitule, cette eau va servir à certaines choses. En fonction de la quantité, hein, si c'est vraiment ça peut laver ton corps, une bonne partie de ton corps, tu prends et tu laves. Tu prends et tu laves le visage. Tu laves le visage. Tu laves les mains. Le reste là, tu vas le mixer avec du lait. Quelqu'un n'a pas besoin de demander qu'est-ce qu'on doit dire sur l'eau. Non, ne dites rien sur le miel. On n'a rien à dire. Tu mets un peu de lait, un peu de miel. Voilà, tu verses. Mais aujourd'hui, c'est la prière du lait. Si tu mets même le lait et que tu offres à la terre, tu es sauvé. Et je veux parler, ça c'est pour tous mes fils au Burkina, au Tchad. Vous n'êtes pas à côté de l'eau. Ça compense tout ce que nous qui sommes allés à la mer hier, avant-hier. Ça compense ce que nous avons fait. Mais pour vous qui êtes ici, je suggère que si vous avez un bout d'eau, vous pouvez aller ajouter ça encore à l'eau. C'est une grande surface d'eau comme la lagune, la mer, tout ça. Vous pouvez conduire aujourd'hui, aller à Bassam, à Port-Bouy, aller encore vous concilier avec cet univers qui est rempli de richesses. Et ça, c'est une exhortation que je fais pour vous. Et cet enseignement que je vous ai donné, c'est un enseignement gratuit sur les réseaux sociaux. C'est un enseignement qui est
gratuit sur les réseaux sociaux et vraiment faites-en bon usage. Faites-en bon usage. C'est vraiment Dieu qui m'a demandé d'enseigner ça pour vous. Et j'espère que j'ai bien fait. Que Dieu vous bénisse. Allez, le numéro pour me joindre, c'est le plus 225. 07 2 fois 49 59 86 plus 225 07 2 fois 49 86 le plus pour obtenir le plus sur un téléphone vous maintenez 0 longtemps et ça écrit plus sans quoi vous pouvez écrire 2 fois 0 tout simplement donc 2 fois 0 225 07 2 fois 49 59 86. Que Dieu vous bénisse. Nous avons passé un très bon moment et je suis dans la joie. Parce que ce qui était dans mon cœur, je vous ai dit et je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Déjà lundi matin, soyez sur mes réseaux sociaux, j'aurai des instructions à vous donner. Demain, nous n'aurons pas de direct le soir, mais en journée, avec mon téléphone, je vais activer un genre de direct. Je serai sans doute dans un lieu en côtière et puis on va parler, on va causer, on va faire le bilan. Ça n'aura rien à voir avec celui que je fais le soir. Dimanche, on a un bon culte pour couronner le tout de tout ce qu'on a appris à partir de 7h du matin de Côte d'Ivoire. Je veux que toute la Côte d'Ivoire, le monde entier se connecte à 7h. Même si tu dois aller à l'église après chez toi, il faut d'abord à 7h très tôt le matin être connecté parce que je veux parler. Je veux vous parler et je vais vous donner vraiment des secrets. Amen. Je vais vous donner des secrets. Donc plus 225, 2 fois 49, 59. 86 plus 225 2 fois 49 59 86 c'est très important que vous reteniez ce numéro ça peut vous sauver il y a des personnes qui ont du mal à joindre mais soyez persévérant essayez de faire en sorte qu'on finisse par vous décrocher par votre persévérance par votre patience alléluia alors le numéro est le plus 225 comme celui qui s'affiche là à votre écran. Plus 225. 2 fois 49, 59, 86. Plus 225. 2 fois 49, 59, 86. Que Dieu vous bénisse. Et à très très bientôt. Toi qui as cliqué j'aime, Dieu te bénit. Dieu t'équipe. Dieu change tout. Il renouvelle ta maison. Il renouvelle tes meubles. Il renouvelle tes fauteuils. Il renouvelle ta télé. Il ajoute encore une autre clé de voiture dans ta main. Dieu agit dans votre vie. Au nom de Jésus, j'ai dit Amen. Allez, à très bientôt.